Mesdames, Messieurs, bonjour. Parfait. Merci d'être si nombreux. Le but, c'était de sensibiliser les jeunes à regarder le savoir-faire des artisans et des métiers d'art pour qu'ils puissent, que ça puisse susciter des envies. D'abord qui est la passion chez le jeune. C'est pour ça qu'on crée cette sensibilisation-là, pour que naissent dans le cœur des jeunes l'envie et la passion. Bien, il faut que tu ailles à la chambre des métiers pour commencer. Que c'est la meilleure formation, c'est l'alternance. 3 semaines dans une entreprise, avec tous les problèmes qu'il y a dans une entreprise. Nous, dans notre métier, par exemple, installateur sanitaire ou chauffage, on recherche aussi des filles. C'est très demandé au niveau des artisans. C'est important. Donc on va distiller aussi sur place ce qui va faire des emplois pour vous tous, les jeunes. Après, il y a la partie serrurier avec toutes les interventions à l'extérieur sur le cambriolage, avec la police. Donc c'est un métier qui s'ouvre de plus en plus vers le futur. Choisissez bien un bon maître d'apprentissage. C'est le baba du métier. Les jeunes ne sont pas assez informés dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, que ces métiers existent et qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Il y avait 4 espaces. Le premier, c'était les institutionnels et les professionnels qui étaient présents pour aider à s'orienter, mais aussi pour présenter ce pourquoi ils sont sur le territoire et qu'est-ce qu'ils font. Il y avait ensuite un espace emploi-formation où il y avait beaucoup d'institutions et de centres de formation spécialisés et en accord avec les artisans présents. Il y avait Pôle emploi qui avait 2 ateliers, il y avait 4 conférences et il y avait la grosse partie, c'était vraiment les artisans avec leur savoir-faire. L'envie, peut-être qu'elle ne se déclenche pas tout de suite. C'est ce qui s'est passé avec plusieurs artisans. Ils nous ont dit, mais nous, on a eu envie de faire ce métier quand on a assisté à un forum comme ça de démonstration des métiers. Donc ça vient peut-être pas tout de suite, mais automatiquement, ça suscite tôt ou tard des envies.